Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? J'ai 24 ans, j'habite dans le sud de la France, Aix-en-Provence, même si je suis née dans le nord de la France. C'est un joli pays, plus ensoleillé, c'est cool. Ah oui, c'est génial, Aix-en-Provence, c'est magnifique. Et je vis de ma passion, puisque j'ai une chaîne YouTube où je parle de beauté, de mode, de bien-être, vraiment tout ce monde-là, et j'ai la chance de vivre de ma passion, donc c'est extraordinaire. Magnifique. Oui. Raconte-moi, quel type de beauty addict es-tu ? Beauty addict, la mode, tout ça, je suis à 100%, j'adore ça. C'est vraiment une passion à temps plein, quoi. D'accord, tu as un faible pour le maquillage ou pour les chaussures ou pour les sacs, les accessoires ? Tout ! Ou c'est à égalité Vraiment, j'ai quand même une petite préférence pour la mode. D'accord. Même si c'est quand même, j'aime énormément la beauté aussi, mais la mode, il y a quand même cette petite chose en plus que j'aime. Il y a des personnes, Noémie, qui pensent que la beauté est un sujet superficiel. Je suis d'accord, mais la superficialité, ça fait du bien. Et on en a tous besoin, on a besoin de quelques minutes de bonheur où on s'échappe, où on parle beauté, où on parle mode et vraiment tout ce monde-là. Il y a assez de malheur dans le monde pour qu'on puisse s'échapper quelques minutes tous les jours vraiment dans ce monde-là et effectivement de superficialité. Une bulle de bonheur. Ouais. Exactement, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu rêvais d'être mannequin dans ton adolescence ? C'est un rêve qui se réalise aimant tout ce monde-là, je suis vraiment très contente. Mais je ne me serais jamais imaginé être mannequin un jour, ça n'avait jamais été un rêve de base. Comment tu as eu connaissance du concours de l'Égérie ? En fait, c'est tout simplement une amie qui était membre du club France Loisir qui m'avait parlé du concours et je me suis dit pourquoi pas essayer, mais vraiment sans m'imaginer être là un jour, être assise devant toi un jour. Est-ce qu'il t'a vraiment décidé réellement d'y participer ? Je suis du genre à essayer plein de choses dans la vie et si ça marche pas, si ça marche pas, si ça marche, tant mieux. Voilà, c'est ça, aventureuse à fond. À fond. Et du coup, pourquoi pas ? Noémie, est-ce que tu connaissais avant les produits Karin Herzog ? J'en avais déjà beaucoup entendu parler, justement étant donné que je fais partie de la communauté beauté YouTube, dans les vidéos YouTube, et j'entendais toujours que des compliments sur la marque. D'accord. Et qu'elle était de très bonne qualité. Tant mieux. Quelle va être vraiment ta mission ? Comment tu ressens ta mission d'ambassadrice, d'égérie, dans la marque Karin Herzog ? Alors déjà, moi, je veux vraiment m'investir à 100%, être vraiment, faire partie de l'équipe, déjà. Et ça, c'est super. Et déjà, on a prévu de faire une tournée, etc., où on rencontrerait les vendeuses et les vendeuses France Loisir et les membres du club France Loisir. On conseillerait, etc. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je te souhaite vraiment une belle année de règne. Ouais. Une belle aventure ensemble. En tant que jury, une belle aventure ensemble. Ouais. Et puis plein de joie et de bonheur. Un immense merci. Déjà, je vous remercie sincèrement d'avoir voté pour moi. Je suis plus qu'heureuse d'être ici. Et je vais vraiment m'investir à fond. Et je suis vraiment très très heureuse. Je décevrai personne.